Aurélie, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM Normandie. Tout d'abord, félicitations pour votre victoire en boccia sur ces Jeux paralympiques. Première médaille d'or de l'histoire de la France sur cette épreuve. Là, vous avez eu le droit à une magnifique soirée à Verneuil-Davre avec plein de gens qui sont venus vous voir. Est-ce que vous commencez à réaliser? On a entendu beaucoup de fois que vous disiez « je réalise pas encore, je réalise pas encore ». Est-ce que Aurélie Aubert réalise maintenant ces Jeux paralympiques réussis? Oui, je réalise petit à petit. Je pense que j'ai réalisé quand on a célébré ma médaille au Club France. Quand les cotillons sont tombés sur moi, je pense que c'est là où j'ai réalisé mon espoir. Et voilà. Est-ce que vous pouvez la montrer, cette médaille, pour les téléspectateurs de BFM Normandie, qu'on la voit bien? Je ne sais pas si on la voit bien. On la voit bien, là? On la voit bien, oui, on la voit bien. Elle représente quoi pour vous, cette médaille d'or? Elle représente du travail et que le travail, ça paye, et surtout du plaisir. On va revenir un petit peu sur votre parcours. Alors, on sait que vous avez commencé la boccia dans les Yvelines, mais aujourd'hui, vous êtes licencié dans un club normand à Gaillon ou au Beauvois, quelque chose comme ça? Gaillon, au Beauvois, oui, les Wins 27. Alors, comment vous en êtes venu à ce club normand? Bah, en fait, à Richebourg, comme j'étais adulte, je pouvais rester au club. Mais pour moi, au niveau des aides financières et tout, c'était plus compliqué. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais dans le 78 dans le club et que je demandais des aides dans le département. Du coup, après, les Wins 27 m'ont proposé de m'accueillir chez eux et j'ai accepté. Et aujourd'hui, donc, vous êtes, en tout cas pour les Normands, vous êtes une fierté locale parce qu'il y a 3 médaillés normands sur ces Jeux paralympiques. Alexian Quincan, vous et Florian Mérien. Ça fait 3 et vous êtes l'une des deux à avoir une médaille d'or, ce qui est quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, avec cette médaille d'or, quand on voit tout ce monde aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que ça va changer votre quotidien? J'ai espoir que ça change mon quotidien, mais pas que le mien. J'ai espoir que ça change le regard sur les gens et le regard sur la boccia, et que ça aide tous les clubs de la France entière. Si on revient un petit peu sur le parcours d'Aurélie, sur le moment où elle a commencé la boccia, Claudine, vous l'accompagnez depuis longtemps maintenant. On a entendu ci et là qu'elle avait commencé la boccia grâce au chocobon de Kinder, c'est ça? C'est ça, oui, pour la pâter en quelque sorte, parce qu'elle n'aimait pas la boccia, elle n'avait vraiment pas envie de faire du sport. Et du coup, la team manager actuelle qui travaillait à l'époque avec moi à Richebourg, elle leur mettait des chocobons sur le terrain et elle leur disait « si tu touches le chocobon, tu l'auras ». Et c'est comme ça qu'elle l'a pâté aux séances de boccia. Et Aurélie avait 12 ans à l'époque, donc voilà. Et ce qui est marrant, c'est que après ces Jeux paralympiques, vous avez fait un petit appel du pied à Ferrero. Et ce soir, à Verneuil-Davre, ils étaient là. Tout à fait. Je ne m'y attendais pas. En fait, pour la petite anecdote, c'est ma team manager qui m'a dit « t'es pas capable de demander à Ferrero de te sponsoriser ». Je lui ai dit « bah, tu verras ». Et sur Léa Salamé, le présentateur m'a branché là-dessus. Et j'ai sauté et j'en ai profité pour faire l'annonce. Mais je ne m'attendais pas du tout à ce que c'est qu'ils viennent me rencontrer, en fait. Elle a su rebondir sur le fait que le journaliste a parlé de médaille en chocolat. Du coup, elle s'est dit « ah ben là, je le laisse pas passer ». Puis elle l'a fait, quoi. Claudine, cette médaille, elle est aussi peut-être un peu pour vous, vous qui la suivez. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire à vous et à Aurélie? Comment s'est passée votre rencontre? Et aujourd'hui, en être là, je suppose, c'est quand même incroyable. Oui, c'est vrai que c'est incroyable. Comment notre aventure a commencé? Tout bêtement, j'ai accompagné en tant qu'infirmière à une compétition internationale. Et elle est passée en classification. Elle s'est retrouvée dans une catégorie qui nécessitait avoir un assistant de jeu. Et la team manager, Marie-Pierre Leban, a dit « ben, tu veux pas être son assistante ?» Ben ouais, je vais essayer. Et l'aventure a commencé comme ça, depuis 2017 donc. Et aujourd'hui, un parcours couronné de succès. Si on revient même sur la compétition, Aurélie, vous n'étiez pas du tout favorite. Au début de ces Jeux paralympiques, vous étiez 16e tête de série numéro 16 et vous avez affronté en finale la numéro 2. Quel parcours? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à refaire le parcours de ces étapes sur ces Jeux paralympiques et à vous dire que ce n'était pas si évident que ça d'avoir la médaille? Évidemment, ce n'était pas évident. Même mon premier match de poule, je le perds contre cette joueuse. Et après, mon deuxième match, ça se termine avec 2 manches en or. Une manche en or, c'est quand l'égalité est parfaite. Et normalement, il n'y a qu'une manche en or. C'est là où ça se décide. Et je ne voulais absolument pas lui laisser le point parce que je ne voulais pas que
l'aventure se termine comme ça. Et après, après les autres matchs, comme je dis toujours, j'ai débranché mon cerveau, je me suis fait plaisir et je pense que c'est ça qui m'a fait gagner. Et presque un peu trop, parce qu'il y a eu ce point un peu spécial sur la finale où vous laissez jouer votre adversaire en pensant que c'était fini, que vous aviez la médaille, et finalement, c'était pas ça. Mais en fait, pour vous expliquer, c'est que d'habitude, les balles, en fait, ils s'affichent à chaque fois que c'est joué, et là, c'était à l'envers, en fait. Dès qu'il y avait une balle de jouer, ils l'enlevaient, et en fait, c'était tout petit, et moi qui ai des problèmes de vue, et avec, je pense, un petit manque de lucidité, j'ai pas vu. En effet, ça se voit sur la vidéo, je m'en veux et je me rends compte de ma bêtise, mais comme je dis, je devais avoir une bonne étoile au-dessus de la tête, et ça a dû perturber aussi mon adversaire. Et du coup, c'est ça qui m'a permis de gagner cette médaille d'or. Ce qui est certain, c'est que vous avez fait vibrer le public avec vous. On a vu le public quand vous étiez stressé, il était stressé avec vous. Quand vous avez eu la joie de remporter cette médaille d'or, il était heureux avec vous. Ce public, est-ce que c'était les Jeux paralympiques les plus merveilleux avec un public français au rendez-vous ? Oui, surtout que c'était mes premiers. Et puis en France, ça se produit qu'une fois dans sa vie. Et puis moi qui appréhendais justement ce public en me disant oh, par le bruit, je vais être parasité et tout. Et puis en fin de compte, ça m'a permis ça m'a boosté quand j'avais besoin d'être boosté. Et les gens étaient vraiment très bienveillants avec moi. Et ça, c'était génial. Et grâce à ça, la vie d'Aurélie Aubert, elle va changer aujourd'hui. Donc là, il y a eu cette soirée à Verneuil-d'Avray, dit-on. Il va y en avoir d'autres, je suppose, des soirées comme celle-là. Est-ce qu'il va y avoir une petite pause avant de reprendre les entraînements de boccia ? Tout à fait, oui. Je vais faire à peu près une pause de 3 semaines parce qu'après, il y a les qualifications pour les régionales le 16 octobre à Pont-Audemer. Donc évidemment, je serai présente. Donc j'ai à peu près 3 semaines de pause. Avant qu'on parle de la suite encore après, qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans la boccia, Aurélie ? Qu'est-ce qui vous attire dans ce sport ? Parce que c'est un sport de stratégie, de stratégie, de plaisir. Et c'est pas parce que c'est un sport que vraiment tout type d'handicap peut pratiquer, enfin du lourd handicap. Et donc à 27 ans, vous n'allez pas arrêter votre carrière, il y a d'autres perspectives en vue, paralympiques, mondiales, est-ce que vous pouvez nous parler de la suite pour vous ? Déjà, il y a le championnat d'Europe l'année prochaine. Donc, j'espère faire une médaille au championnat d'Europe. Et je ne sais pas encore où il est. Et après, je vais me faire plaisir tout d'abord. Et c'est ça le principal. Et après, Los Angeles, quand même, on y pense déjà ou pas ? Ou pas encore ? Non, pas encore. Je suis encore un peu sur mon nuage des Jeux. Donc, c'est dans 4 ans. Donc, j'ai largement le temps d'y penser. Il y a plusieurs étapes avant les Jeux. Il faut faire des bons résultats en individuel et en équipe si on veut aller à Los Angeles. Et avant de retrouver les Winners 27, alors Aurélie Aubert, elle habite où ? Elle habite en Normandie aujourd'hui ou elle habite encore dans l'Eure-et-Loire à côté de Dreux ? J'habite dans l'Eure. J'habite à pas très loin d'ici, à Armentières-sur-Avre. Donc vous êtes aujourd'hui une Normande intégrée. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut vous définir en tant que Normande ? Aujourd'hui, championne paralympique ? Oui, je dirais qu'on peut me définir comme ça. Voilà, et bien c'était un plaisir de parler avec Aurélie Aubert, championne paralympique de boccia. Et on lui souhaite le meilleur pour la suite.